Bien sûr que c'est un peu plus compliqué comme début de saison. Après, il y a eu beaucoup de blessures aussi. Mais je trouve qu'on montre beaucoup de choses positives, même si les résultats ne sont pas là. Surtout avec le match de ce week-end, à 10, faire un résultat comme ça, vrai, c'était vraiment bien, je pense. Mais on n'est pas inquiet, on continue à travailler, le coach il n'est pas inquiet. On continue à faire ce qu'on a à faire et puis les résultats vont arriver. Qu'est-ce qui manque selon toi pour que ça bascule d'un bon côté, pour que tu aies une meilleure fin? Ça bascule. Ben, je pense que déjà il faut pas s'inquiéter comme je disais. Après je pense que le match de Brest c'est vraiment un point positif pour nous pour montrer que tout ce qu'on a fait depuis le début de saison ça porte ses fruits entre guillemets parce que aller chercher un point comme ça à 60 minutes à 10 c'est vraiment une bonne chose. Après je pense qu'il faut pas succès oui, il faut gagner à tout prix, c'est continuer à faire les choses qu'on fait d'habitude comme en entraînement et puis ça va arriver naturellement. Pas mal sollicité cet été, pourquoi tu as choisi ce travail finalement? Comme vous l'avez dit, rester sur une très bonne saison. Après, je connaissais le coach, ce qu'il avait fait ben, la saison passée à Rennes. J'ai beaucoup discuté avec lui, j'ai réfléchi un peu avec mon entourage, avec mes agents. Et pour moi, c'était la meilleure option pour le temps de jeu, retrouver du plaisir, jouer au foot, parce que le coach, c'est un très très bon coach. Donc pour moi, tous ces éléments, ils m'ont permis de venir ici et c'était le meilleur choix. Pour revenir juste au sportif, tu l'as dit hein, toi-même, il y a eu beaucoup de choses positives face à Brest. Maintenant, il faut confirmer à domicile face à une équipe qui a aussi un petit peu mal à l'allumage. Hein. Ouais, c'est sûr qu'on va essayer devant le public de faire un gros match. Ce serait bien d'aller chercher cette première victoire à domicile devant les supporters. Après, on se met pas de pression. Ils ont fait aussi un bon début de saison, on va dire, clairement. Donc, non, on va jouer notre football et puis rester solidaire comme on fait à chaque match. Puis on va voir ce qui se passe dimanche, mais on va tout donner pour aller chercher une victoire.